Chaque matin, tu fais face à un choix. Rester alité en rêvant de ce que pourrait être ta vie, ou te lever et transformer ses rêves en réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets de la discipline pour apprendre à parler le français ou toute autre langue étrangère. Prêt à faire de tes rêves linguistiques une réalité? Allons-y. La discipline, c'est la clé qui ouvre la porte à l'apprentissage. C'est ce qui te permet de persévérer, même lorsque la motivation est absente. Elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner des astuces pratiques pour développer cette discipline et transformer ton apprentissage. La première étape vers la discipline est de définir des objectifs clairs. Que souhaites-tu accomplir? Par exemple, vouloir tenir une conversation basique en français d'ici 3 mois. Formule tes objectifs de manière précise et découpe-les en sous-objectifs. Cela te permettra de mesurer tes progrès et de rester concentré. Ensuite, mets en place une routine d'apprentissage. Choisis un moment précis chaque jour pour étudier. Que ce soit 20 minutes le matin ou 1 heure le soir, l'important est de rester constant. Même des petites sessions régulières s'accumulent et mènent à des résultats impressionnants. Entoure-toi de ressources variées pour enrichir ton apprentissage. Utilise des applications, regarde des films en français, écoute des podcasts et lis des livres. La diversité des ressources rendra ton apprentissage plus captivant et te permettra d'acquérir des compétences dans différents contextes. La motivation est essentielle, mais elle peut fluctuer. Pour rester motivé, célèbre tes petites victoires. Chaque nouvelle phrase maîtrisée est un pas en avant. Rappelle-toi que chaque erreur est une opportunité d'apprendre. La persévérance est la clé pour surmonter les obstacles. Voilà les secrets de la discipline pour apprendre à parler le français. En appliquant ces stratégies, tu peux transformer tes rêves linguistiques en réalité. Alors, chaque matin, fais le choix de te lever et d'agir. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour plus de conseils. À très bientôt pour un nouvel épisode.